tu danses ? Así se baila el tango. Tu danses ? C'est l'émission qui parle des danses sociales, c'est-à-dire des danses qui se pratiquent dans les bals. Nous faisons le tour des bals de Rennes et d'ailleurs, pour faire bouger vos petits corps engourdis, c'est parti. Bonjour, bonjour, bienvenidos, bienvenue à tous dans l'émission Tu danses sur Quartier des Ondes. Cette fois-ci encore, nous allons parler de la salsa. Lors de la dernière émission, j'ai invité la danseuse Vanenoma à nous parler de cette culture. Nous avons vu qu'il pouvait y avoir un débat, parfois même teinté de politique, entre les défenseurs absolus de l'héritage cubain de cette musique et ceux qui reconnaissent dans ce courant une fusion panaméricaine. Une fusion qui comprend les sons cubains évidemment, mais aussi l'influence des autres pays des Caraïbes et d'Amérique latine. Puerto Rico, Saint-Domingue, le Panama, le Venezuela, etc., etc. Et l'influence non négligeable du jazz américain tout d'abord, de la soul et de la funk ensuite. Nous avons également expliqué d'où venait le nom salsa, né aux États-Unis dans les années 70 au sein d'un label de musique fabuleux, le Fania Records. La salsa est un nom valise qui a permis de faire reconnaître la musique latine et de la développer à l'export, mais qui a aussi créé la réunion de talents incroyables. La salsa est devenue un phénomène socioculturel et le porte-étendard de toute la communauté hispano-américaine. Aujourd'hui, nous allons continuer à fouiller dans la discothèque de la salsa en nous appuyant tout d'abord sur les conseils de programmation du DJ Jack El Calvo. Nous ferons ensuite un focus sur ce label de musique mythique, la Fania Records, à travers ses grands concerts et autour de quelques artistes emblématiques. Pour vous mettre en bouche, voici d'entrée de jeu une bombe latina avec le titre « Estrellas de Fania ». Tiré du concert du Fania All Stars, le live au Cheetah Club de New York d'août 1971, avec toutes les stars montantes de la musique latine, un concert réputé pour être l'acte de naissance de ce qu'on a ensuite appelé la salsa. Estrellas de Fania, les étoiles de Fania, premier morceau du concert de 1971 au Cheetah Club de New York et carte de présentation des artistes réunis autour du label Fania Records. Ce live au Cheetah Club a donné lieu à un documentaire intitulé Our Latin Thing, où l'on voit la foule réunie dans cette salle de concert. Coiffure, afro, moustache, favori, col, pelle à tarte, chemise orange et marron, toute l'esthétique des années 70 s'exprime en pleine exubérance.
Je vous propose de revenir sur l'histoire de ce label, le Fania Records, en deuxième partie d'émission. Mais pour l'heure, revenons sur la musique cubaine à danser. Le DJ parisien Jack El Calvo musicalise des soirées et j'ai eu la chance d'échanger au téléphone avec lui. Jack est un DJ reconnu pour ses mix impeccables et son attachement à faire découvrir les talents musicaux. Sa chaîne YouTube regorge de captations de concerts et de soirées et c'est vraiment une belle source pour ceux qui veulent approfondir leur connaissance de cette musique. Jack a eu la générosité de partager avec moi quelques-unes de ses références incontournables pour animer une soirée. Je suis donc, avec son aide, allé chercher ses titres pour vous les faire découvrir à présent. On l'écoute. Bonjour Céline, oui, je m'appelle Jack El Calvo et je suis DJ de musique cubaine. Quand tu musicalises une soirée, comment tu la conçois ? Est-ce qu'il y a un morceau obligatoire au début, un morceau obligatoire à la fin ? Est-ce que c'est libre au DJ de faire ce qu'il veut ? Est-ce qu'il y a des exercices imposés ? Comment ça se passe ? Il n'y a pas de règle. C'est chacun fait ce qui semble bon faire. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de règle. Moi, j'ai mon style. Mes confrères en ont d'autres. Ouais. Et c'est tout à fait respectable. Après, moi, j'ai mon style vraiment personnel. J'ai effectivement un sort de rite de commencer par un artiste bien précis, mais pas une musique précise, mais un artiste en tout cas, pour faire référence à l'artiste qui m'a fait découvrir cette musique tout simplement, quand j'ai entendu. C'est qui ? Il s'appelle Adalberto Alvarez, qui est malheureusement décédé l'année dernière et qui repose en paix. C'était un visionnaire et un sonero incroyable. On écoute Adalberto Alvarez, un auteur, compositeur et pianiste cubain né en 1948 à La Havane, dans le titre Para bailar el casino. María quisiera ir a la tropical, pero su madre no la deja. Le gusta el casino y lo quiere bailar, y ya hasta consiguió pareja. Ella quiere bailar con Fernando, porque el tipo es un gran casinero. Y para ella casino bailar, eso es lo primero. Engañar y se escapó para una fiesta. La madre a saberlo la sale a buscar y con Fernando se la encuentra. Mami, quiero que tú me perdones, mas no puedo cambiar mi destino. Y yo te juro que esto solo fue para bailar casino. ¿Y dónde está María? ¿Dónde está Fernando? Bailando, mamá, bailando casino. ¿Y dónde está la gente que me está escuchando? C'est mon rite, c'est-à-dire que je commence toujours par un morceau de cet artiste-là. Après, pour le reste, je déroule. Je ne déroule pas n'importe comment, j'ai une logique. Mm-hmm. Une logique d'enchaînement qui m'est propre. J'ai vraiment un style. Et ce style-là, en fait, je me suis rendu compte qu'il venait simplement de FIP, de cette radio FIP. C'est pas de l'aléatoire, quoi. C'est pas de l'aléatoire. C'est trop facile. Et tu peux changer de route en cours de soirée selon l'ambiance ? Bien sûr, bien sûr. Le plus important, c'est le danseur, c'est pas le DJ. Hein. Donc, si on fait pas danser, on n'a aucune autant arrêter et rentrer chez soi. Donc c'est la piste qui commande. Hein. Si vous n'êtes pas avec la piste pleine, c'est qu'il y a un problème. Donc, il faut vite rectifier le tir.
Moi, j'observe toujours quand je commence, j'observe toujours la piste et je m'adapte. Ça, c'est l'objectif numéro un. Et après, on compose. Mais moi, j'arrive pas avec une playlist déjà toute faite et un travail déjà fait. C'est pas possible. C'est impossible. Alors, prenons un cas concret. Si on veut démarrer une soirée gentiment, sans trop brusquer les gens qui ne sont pas encore échauffés, tout ça, on met quel orchestre? Alors, ce n'est pas une question d'orchestre, c'est une question de BPM, ce qui, beats per minute. D'accord. C'est du rythme, en fait. Ouais. C'est la rapidité du morceau. Et c'est plutôt ça. Donc, c'est commencer la soirée avec du 86 BPM, 90 maxi. Et faire monter la sauce au fur et à mesure. D'accord. Un exemple de titre alors là-dedans? Un exemple de titre, donc on va être court là. Manolito, Manolito sotto la bocca, Cavallo Grande. Ando no ande. C'était Manolito y su Trabuco, du nom d'un pistolet, El Trabuco, synonyme de force à Cuba, dans le titre Caballo Grande, issu d'un album de 1996. Et on retrouve Jack El Calvo. Ça, c'est un exemple de titre que je peux mettre au début, qui est lent, où les gens entendent bien la rythmique, et même les débutants sont capables de danser dessus. Voilà, c'est ça qui est important. Parce que souvent, je commence à mixer après des cours. Et donc, y a des débutants, il y a des entrées, des danseurs 5 étoiles. Et puis, il y a un peu de tout. Donc, il faut s'adapter. Il y a des morceaux très difficiles à danser? Oui, bien sûr. Il y a des morceaux trop musicaux. Vous savez, quand Amadeus, dans Amadeus, il y a Salieri qui dit il y a trop de notes. Oui. Il y a trop de notes chez Mozart. C'est parfois un peu ça chez certains autres morceaux de salsa, quoi. Très écrit, quoi.
Trop compliqué, trop compliqué. Alors, Mais est-ce qu'on peut pourtant, mais identifier bon. quelques orchestres incontournables pour quelqu'un qui voudrait découvrir la salsa là demain, Ah bah oui, qui s'est dit, bien bon, sûr, alors, qu'est-ce que je commence par écouter? je pense que un orchestre comme Havana de Primera, ça fait partie des orchestres les plus faciles en initiation, parce que il y a à la fois la mélodie, les paroles, si on comprend l'espagnol, qui sont très très poétiques, et puis la musique, parce que la musique est pas agressive, elle est à la fois douce et à la fois très tonique. Donc je pense que Havana de Primera est une très bonne entrée en matière. Havana de Primera, le fameux groupe de la Havane dont nous avions beaucoup parlé dans l'émission sur la salsa cubaine précédente. Nous avions alors évoqué le chanteur charismatique Alexander Abreu. Dans la chanson qui va venir maintenant, le chanteur lance un homenaje pa Irakere, un hommage à Irakere, le groupe fondé par Chucho Valdés en 1973, qui a été précurseur dans l'introduction de sonorités funky dans le son cubain. Havana de Primera, quant à lui, fait partie des formations actuelles de timba. Voilà donc un lien de parenté établi entre Irakere et Havana de Primera. Le titre que nous allons entendre s'appelle Conga para cerrar, en référence à l'instrument de percussion et la danse cubaine, la conga. Se te olvidan los quehaceres, se vuelven locas las mujeres y los hombres se me ponen a arrollar. Homenaje pa' Irakere. Ya suena el quinto y suena bien. Se empieza a calentar. Llegó José que baila a su manera. También Julián, el que te dice su Diana. Tomasa llega y planta donde quiera. De forma sana ya mi conga va a empezar. Ya están sonando las trompetas con su manera peculiar. Y todo el mundo está en la calle esperando por mi conga pa' cerrar. Qui existe encore et qui cartonne, qui remplit des stades entiers en Amérique latine. Donc, c'est très fort. Évidemment, Los Bambam qui sont les rois. Hein, je veux dire, les rois actuels, c'est Los Bambam. Los Van Van, ouais. Voici donc une institution avec le groupe Los Van Van, créé en 1969, représentant de la culture cubaine à travers le monde. La chanson intitulée Mi Songo fait référence à ce style créé par Los Van Van dans les années 70, le songo, une musique cubaine faite pour danser, dérivée du son traditionnel cubain, en y ajoutant guitare, batterie, clavier. Avec un petit peu de jazz, un petit peu de rock, un petit peu de guaguanco, comme le dit la chanson. Ce titre évoque aussi la tribu des Songo d'Angola, à qui les Van Van rendent hommage dans la chanson en parlant de fiers guerriers. Ahora
que ya la conoces. Voy a contarte, mi amigo, son muchos años de historia la que mi orquesta ha vivido. Y lo que queda por vivir, por allá por los 70, el maestro Juan Formel, mucho trabajo pasó para poderse mantener, con mucha creación y un derroche de talento. De la noche a la mañana puso a Cuba en movimiento. Y un poquito de rock mezclado con guaguancó. Y se pegó, se pegó. Con el tumbao de Pupi y el timbal de Changuito fueron hasta el infinito y no murió. Auditeurs, comme vous le savez maintenant, tout le long du XXe siècle, musique cubaine et nord-américaine se côtoient et s'influencent mutuellement. Et puis, au début des années 1960, en raison des relations tendues entre le Cuba socialiste de Fidel Castro et les États-Unis, les ponts sont rompus. L'embargo empêche les Cubains de sortir du territoire et d'exporter leur musique. Et c'est à New York que d'autres communautés hispaniques reprennent le flambeau. Johnny Pacheco, né en République dominicaine, lance le label Fania avec son avocat, un Italo-américain du Bronx, en 1964, c'est-à-dire 2 ans après le début de l'embargo. Ils produisent la crème de la crème des artistes de musique latine du moment et organisent de grands concerts-événements qui réunissent leurs artistes dans le groupe le Fania All Stars. Ce sont eux qui lancent le concept de la sauce qui réunit toutes ces musiques, la salsa. C'est au sujet de ce moment précis que j'interroge Jack El Calvo. Si on veut aller chercher les classiques du moment de la rencontre à New York au début, très jazzy. Il faut aller chercher dans la Fania All Stars. Fania All Stars, c'est un espèce de All Star, comme son nom l'indique, où les plus grands musiciens se sont réunis pour enregistrer. Et là, on a vraiment les standards de toute la musique salsa, quoi, qui ont été repris maintes et maintes fois. Ouais. Donc c'est vraiment la Fania All Stars, c'est vraiment... Fania All Stars, c'est un label de musique, c'est ça? Oui, c'est aussi un label, absolument. Et donc c'est quoi, des Tito Puente, des Celia Cruz? C'est ça, exactement. C'est toute cette mouvance-là, Willie Colon, Wendales, Johnny Pacheco, enfin c'est tous ces grands noms de la salsa que je vénère aussi, parce que c'est un autre style, mais que je mets pas pour danser, parce que j'aime plus écouter que danser. Ah ouais. Ces morceaux-là, mais ça c'est personnel, hein, c'est tout à fait personnel. Mais c'est extraordinaire. Et oui, à un moment donné, c'était inévitable que Jack parle de la Fania Records.
Comme prévu, nous parlerons plus en détail de ce label après l'interview de Jack. Pour le moment, écoutons un autre extrait du concert du Fania All Stars au Cheetah Club avec ce tube de la musique caribéenne, Anacaona. Anacaona, india de raza cautiva, Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, india, india de raza cautiva, y Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, oí tu voz, cómo lloró, cuánto gimió. Anacaona, oí la voz, de tu angustiado corazón, tu libertad nunca llegó. Anacaona, india de raza cautiva, Anacaona, Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, india, india de raza cautiva, Anacaona, de la región primitiva, anda. Anacaona, un titre du grand nom de la musique afro-caribéenne, Cheo Feliciano, originaire de Puerto Rico. Anacaona est une chanson en hommage à cette reine Taïna du même nom, indienne des Caraïbes, reine résistance à l'envahisseur espagnol et qui sera finalement tuée par les conquistadores. C'est donc un message de résistance de la part des peuples caribéens. Le phrasé et l'élégance dans l'intonation de Cheo Feliciano en font une des figures les plus influentes de ce genre tropical. Ruben Blades lui-même, l'un des principaux interprètes de la salsa, a souvent déclaré qu'il s'était largement inspiré du style de Feliciano quand il a commencé sa carrière. Il faut écouter du Ruben Blades et écouter les paroles, c'est magique, c'est un grand, grand monsieur de la salsa. Donc c'est, voilà, si on comprend l'espagnol, en tout cas, c'est phénoménal. Ouais, parce qu'il y a aussi des beaux textes dans la salsa. Ah oui, il y a des sacrés textes, ouais. Il y a des textes engagés, il y a des textes beaucoup moins engagés. Alors, c'est vrai que Cuba, c'est pas des textes engagés, soyons clairs, pour des raisons politiques, bien sûr, oui. Mais pour des raisons de non-démocratie, mais sinon, oui, bien sûr, il y a ce qu'on appelle le double sens dans les chansons cubaines, voilà, c'est toujours très porté sur la séduction, sur la chronique sociale, on va dire, sans critiquer la politique. C'est ça. Et il y a des orchestres français ou européens au moins qui font de la bonne salsa, ou il faut vraiment attendre de voir un orchestre cubain ou américain? Ah non, il y a d'excellents orchestres sur le territoire et en Europe qui, alors bon, évidemment il y a des Cubains dedans, hein, mais des Cubains exilés, mais non, il y a très bonne formation en Europe, hein, donc non. Par exemple? Il y a matière. Il y a Michel Cabrera qui est sur Barcelone. Il y a Kaye Real qui sont des Suédois qui sont très très connus. Des Suédois. Ouais, des Suédois, ouais. Et puis c'est vraiment des Suédois. Hein. Il y a un demi-cubain dedans. Donc vous voyez, c'est vraiment incroyable. Ouais. Et ça joue très bien avec un. Ils ont vraiment un cachet très particulier qui. Ils ont un peu innové, on va dire. Dans le style, c'est très, presque rock.
Calle Real, je vais aller écouter ça. Okay. Calle Real, oui. Ah ouais, ah, écoutez, absolument. Sí, señor, los muchachos de Calle Real que van a estar con nosotros acá en su primera presentación en... Eh bien, écoutons donc le groupe suédois Calle Real, illustration de la globalisation de cette musique timba, puisque le groupe est composé exclusivement de Suédois. Seul l'un d'entre eux a des origines cubaines, pas des moindres, puisque Carl Valdés, c'est son nom, est le fils du célèbre pianiste cubain Bebo Valdés. Mais pour le reste, Thomas, Patricio, Gunnar, Andreas, Ricard, Harry, Nils, Philippe, Jacek, Peter et Christian, tous suédois, ont tous étudié la musique à Cuba et fabriquent une musique explosive, reconnue même en Amérique latine, comme l'atteste leur programmation au festival cubain, le Benny More Festival, dont est extrait le titre qu'on va écouter maintenant, Somos Calle Real. C'était le groupe suédois Calle Real et maintenant je vous invite à entendre un titre de Michel Cabrera sur la recommandation de Jack El Calvo. Michel Cabrera qui est un Cubain né en 1983 et établi à Barcelone depuis 2008. Le titre s'appelle Emigrante, un hommage à toutes les personnes exilées qui ont gagné leur liberté en quittant leur pays mais vivent dans la nostalgie et l'éloignement de leur famille. Une preuve supplémentaire que cette musique peut faire danser tout en traitant de thèmes importants. Emigrar es sentir la sensación más triste que pueda existir lejos de mi gente, donde nací, navegar, caminar para ser libre. No poder abrazar a mi madre ni mi abuelita, acompañar, ayudarla y disfrutar de su vejez. Te prometo que nunca me acostumbraré. Emigrante soy y no me siento orgulloso, aunque agradezco el reposo y la paz que me permite ser lo que soy. Aquí donde estoy siempre seré el diferente. Hace años soy libre pero te extraño. Y la realidad es que prefiero mil veces la libertad a seguir atrapado en esa sociedad que no quiere luchar ni por
por dignidad. Emigrante soy y no me siento orgulloso, aunque agradezco el reposo y la paz que me permite ser lo que soy. Aquí donde estoy siempre seré el diferente, ese que mira a la gente y por mucho que lo intente doy lo que doy porque no me dejaron vivir en mi tierra. No puedo vivir sin esperanza, vivo yo. Soy libre, pero te extraño. En mi tierra no puedo vivir. Emigrante soy. Nadie emigra porque quiere, son situaciones que suceden. Jack, où est-ce qu'on peut éventuellement aller à une de tes soirées si on n'est pas parisien ? Non. Bon, moi, je suis en résidence au Rosa Bonheur d'Anières, donc tous les dimanches. Ok. Mais sinon, non, je tourne en France et en Europe, donc il faut choper mes dates, quoi. T'as un site internet où on peut choper tes dates ? Non, mais c'est essentiellement Facebook où il y a toutes les dates qui sont annoncées, donc. Donc voilà, je serai à Bruxelles samedi prochain, le vendredi je suis à Paris, et le dimanche je suis donc à Paris encore. Quelle énergie. Par exemple, c'est mon bâton de pèlerin et depuis 26 ans, 27 ans, je parcours la France, l'Europe et parfois le monde. Enfin, ça m'est arrivé j'ai mixé à Cuba quand même en février, donc voilà, c'était exceptionnel. Ah, ça devait être assez magnifique. Ah oui, c'était magique. Avec quelle réception du public, du coup ? Bah, il suffit de bien leur parler, c'est-à-dire de leur mettre les tubes qu'ils connaissent et ça fonctionne très bien. Mais avec une French touch un peu à la FIP. Oui, c'est ça, exactement. Ah, ils ont dû trouver ça charmant. Bon, merci Jack, je ne veux pas prendre plus de ton temps. Merci beaucoup pour ces éclairages. Et puis, je vais aller chercher les titres dont tu m'as parlé et je vais essayer de les passer dans l'émission. Il ne faut pas hésiter. Merci. Merci Jack. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Vous êtes bien sûr Quartier des Ondes, toujours, et nous continuons dans Tu Danses à explorer la discothèque de la musique salsa après avoir découvert de beaux titres de musique cubaine grâce au DJ Jack El Calvo. Faisons désormais un détour du côté de New York, années 60. Alors que la révolution cubaine a triomphé sur l'île de Cuba depuis plusieurs années déjà, le blocus de Cuba par le gouvernement américain empêche toute importation de produits venus de l'île, y compris la musique, qui manque à toute la communauté latino-américaine. Johnny Pacheco, flûtiste originaire de la République dominicaine, s'associe en 1964 à l'avocat qui a réglé son divorce, Jerry Masucci, et ensemble, ils vont inventer le label Fania. Avec lui, ils vont imposer le nom de salsa. Le concept Fania va combler le vide abyssal engendré par l'arrêt de l'exploitation musicale cubaine. Et Fania sera à la musique latine ce que la Motown est à la soul, une référence incontournable. Un éditeur de musique tout d'abord, avec plus de 1000 références, mais aussi un organisateur de grands concerts où ils mettent en scène leurs poulains. Découvrons ces artistes à travers leur exposition dans 3 concerts mythiques, le Live au Cheetah Club de 1971 dont on a déjà parlé, le Live au Yankee Stadium en 1973 et enfin le Live in Africa organisé à Kinshasa au Zaïre en 1974. « 26 août 1971, dans une moiteur incroyable,
4000 personnes se pressent pour le concert de leur vedette lancé dans le Cheetah Club, la boîte latine à la mode à New York. Tous les barrios latinos de New York sont là. Le plateau réunit 7 chanteurs, tous leaders de leur groupe respectif, une section de cuivre composée de 3 trompettes et 3 trombones, dont le fameux Willie Colon, âgé alors de 19 ans. Les percussionnistes sont menés par Ocongas Rey Barreto. Nous avons aussi des cordes, dont le virtuose du cuatro, cette petite guitare latine, Yomo Toro. Larry Harlow est au piano. Enfin, tout ceci constitue une brochette de musiciens américains, latinos de la première et deuxième génération, réunis autour du directeur Johnny Pacheco, chef d'orchestre et producteur de l'événement. Quitte à Tetu, la chanson que nous allons écouter maintenant, elle a été écrite par Johnny Pacheco lui-même, et c'est une chanson qui reprend une forme de son cubano dans laquelle les chanteurs improvisent leurs paragraphes, puis le chœur reprend le thème principal. Dans le film Our Latin Thing, qui est la captation du concert, on les voit se pousser du coude pour arriver au micro. Chaque chanteur improvise son couplet dans une forme de battle où chacun se présente au public. Hector Lavoe a 19 ans lors du concert au Cheetah. C'est lui qui ouvre la ronde des chanteurs avec sa voix aiguë en annonçant « Peu m'importe ce que pensent les autres parce que je suis un requin. Soy un tiburón. » Face à cet humour collectif, on entend la ferveur du public. Les vedettes des groupes de musique latine du moment se succèdent au micro. Cheo Feliciano, le vétéran de Puerto Rico, Pete El Conde Rodriguez, le chanteur du groupe de Johnny Pacheco, et Santito Colon, Adalberto Santiago, Ismael Miranda. Et le chœur reprend « Quítate tú pa poner meyo » qui veut dire « Pousse-toi de là que je me mette ». Quitte à tout dure 16 minutes.
C'est la raison pour laquelle je me sens obligée de couper avant la fin pour pouvoir parler des autres concerts. Nous sommes désormais au début des années 70. Quelques années plus tôt, l'alliance entre le businessman Jerry Masucci et le musicien Johnny Pacheco a fait un miracle, la création de la Fania. Le label qui a inventé la salsa, ou plutôt réinventé, arrangé, urbanisé, réapproprié. La compagnie a son All Stars, un super groupe composé de ses meilleures signatures. Willie Colon, Larry Harlow, Joe Feliciano, comme nous l'avons vu. Au fil des ans, la maison de disques a pu racheter ses concurrents, Tico et Alegre, pour intégrer ainsi les surdoués du Latin Jazz, Mongo Santa Maria, Ray Barreto, Eddie Palmieri, et attirer à lui des grandes stars telles que la chanteuse cubaine Celia Cruz. Fania a aussi pu développer ses propres artistes comme Hector Lavoe. Le 24 août 1973, les propriétaires de Fania veulent monter le plus grand concert de musique latine de tous les temps. Le lieu doit être prestigieux, c'est pourquoi le Yankee Stadium de New York est choisi. Masucci a garanti la pelouse pour la somme de $50,000. Le stade se remplit jusqu'à atteindre 40 000 spectateurs, c'est du jamais vu. Le speaker présente les étoiles de Fania, Estrellas de Fania, qui arrivent sous les Hurra de la foule. Johnny Pacheco entame « Saludando señores con su ritmo tropical, descarga de bongo ». L'audience est chauffée à blanc. Pacheco annonce et démarre « Congo bongo ». C'est alors que se lance une battle entre les deux congueros vedettes, Mongo Santa Maria et Ray Barreto. Le public n'en peut plus, le public est chaud, le public est énervé. Il déboule sur la pelouse et commence à monter sur scène. Le désordre est inévitable. Pacheco continue à diriger l'orchestre sans s'apercevoir de rien. Au bout d'un moment, la police intervient, les musiciens sont évacués, les drapeaux sont brandis dans le stade. Le concert devient historique et Fania entre dans la légende. C'est pendant ce concert que la diva Celia Cruz fait sa première apparition au sein du Fania All Stars et que Hector Lavoe brille avec son hymne Mi Gente. On l'écoute. Y dice así, mi gente, con esto la voz, vaya. Se te olvidó decir que yo soy el hombre que respira debajo del agua. ¿Ah? Y dice, ay, yo quiero que todo el mundo cante conmigo ahorita. Cuando yo diga que todo el mundo cante, aquí canta todo el mundo, ¿ok? Todo el mundo va a cantar aquí. ¡Gracias!
sabrosita para todos ustedes. Y yo quiero que todo el mundo cante. No le tenga miedo a la jara, porque si yo digo algo fresco, nos van a llevar todos presos. Et nous allons laisser Hector Lavoe, suite à son introduction de son compère Willie Colon, le tromboniste avec lequel il a enregistré près d'une dizaine d'albums entre 1967 et 1973. Il a ensuite entrepris une carrière en solo et on a appelé Hector Lavoe la voz de la salsa. C'était le live au Yankee Stadium. Mais faisons désormais un grand bond géographique pour traverser l'Atlantique et nous retrouver à Kinshasa, au Zaïre, en 1974. Le pays s'apprête à accueillir le combat du siècle, le combat de boxe entre le champion du monde poids lourd George Foreman et son challenger Mohamed Ali. L'événement a une forte portée politique. Le président Mobutu a acheté le match pour plusieurs millions de dollars. Il souhaite attirer l'attention sur son pays. Ceci permet aussi de mettre en avant la cause des Afro-Américains, chère à Mohamed Ali, opposant de la première heure à la guerre du Vietnam et militant de l'égalité entre blancs et noirs. 1974, on est en plein dans le Black Power, le Black is Beautiful. Le saxophoniste sud-africain en exil, Hugh Makesala, a eu l'idée du concert qui doit se réaliser en marge du combat de boxe. James Brown, B.B. King, Bill Withers et la Fania All Stars partageront le plateau avec des artistes africains en vue, Franco et Loke Jazz, Manu Dibango, Myriam Makeba. Les Américains embarqués dans le même avion pour Kinshasa font le bœuf, avec Celia Cruz en chanteuse vedette. La diva cubaine a enregistré l'année précédente chez Fania l'album Celia et Johnny, qui a été disque d'or avec Johnny Pacheco. Imaginez l'excitation de nos musiciens du Fania All Stars. Sud-Américains en exil, gamins du Bronx ou du Spanish Harlem, c'est pour certains d'entre eux le premier vol pour l'Afrique, considéré comme la terre des ancêtres. Accueillis à l'aéroport par des groupes africains, encadrés par les services du président Mobutu tout de même, il faut montrer à la caméra des images compatibles avec le discours officiel, ils joueront devant 80 000 personnes, presque exclusivement noires, pour la première fois de leur vie. En parlant de Black Power, Celia Cruz était pionnière dans sa célébration de la culture noire et latine. Elle mit en avant son héritage africain à une époque où cela n'était pas populaire. La Cubaine a toujours revendiqué ses racines africaines par sa façon de s'habiller, son chant, ses références à la Santeria, les cultes Yoruba de Cuba. Son célèbre appel « Azúcar » est une référence à ses ancêtres esclaves des plantations de canne à sucre. Quand elle entame « Kimbara » devant le stade de Kinshasa, 80 000 âmes vibrent avec elle au son des percussions afro-cubaines. Celia Cruz, la grande diva cubaine de la Fania,
a connu une deuxième partie de carrière en Afrique et c'est la chanteuse Angélique Kidjo, cette chanteuse béninoise, qui lui a rendu hommage dans un spectacle récent. Angélique Kidjo dit « La voix de Celia est celle de l'Afrique. Ses chansons s'inspirent des orishas, ces dieux Yoruba emmenés par les esclaves aux Amériques. » Et elle conclut « Sa technique vocale est presque identique à celle des tambours africains, avec ses phrases si syncopées, la répétition des mots de manière hypnotique est toujours subtilement variée. » Voilà un bel hommage rendu à l'une des grandes voix de la musique latino-américaine, Celia Cruz. Et ça va être notre dernier son des Fania All Stars. Si vous voulez creuser dans la discographie du Fania Records label, je vous recommande en particulier les 6 albums suivants. Celia Cruz et Johnny Pacheco, Celia and Johnny. Ray Barreto, Indestructible. Willie Colon, Cosa Nuestra. Le, bien sûr, Fania All Stars Live at Yankee Stadium, volume 1 et 2. Le disque d'Hector Lavoe, La Voz. Le disque d'Eddie Palmieri, Vámonos pal Monte. Et enfin, tous les lives de la Fania. Et je propose de terminer avec un artiste dont nous ferons peut-être un prochain numéro. J'ai nommé Rubén Blades, que Jack El Calvo apprécie tellement. Dans son titre Siembra de 1978. À bientôt dans Tu danses. Usa la conciencia, latino. No la dejes que se te duerma. No la dejes que muera. Pretendes recoger, siembra. Si pretendes cosechar, pero no olvides que de acuerdo a la semilla, así serán los frutos que recogerás. Si pretendes alcanzar lo que el futuro te traerá, pero no olvides que de acuerdo a la semilla, así serán los frutos que recogerás. La unión es del futuro. Rompe.
fe y siempre adelante. Olvida las apariencias, siempre hay tú verás. Diferencias de color, siempre hay tú verás. Y utiliza la conciencia, siempre hay tú verás. Va a ser un mundo mejor. Siempre hay tú verás. Ya vienen los tiempos buenos, siempre hay tú verás. El día de la redención, siempre hay tú verás. Y cuando llamen los pueblos, siempre hay tú verás. Responde de corazón, siempre, siempre tú verás, tú vas a ver, tú verás. Pero hay que dar el ejemplo para que pueda suceder. Olvida la tramontada y enfrenta la realidad. Y da la cara a tu tierra y así el cambio llegará. Siembra cariño, siembra humildad y da frutos de esperanza a los que vienen detrás. No, gracias, Rubén. Gracias, Willy. Conciencia, familia. Thank you.